Je m'appelle Gwen, je suis aide médico-psychologique sur le pavillon WIDIC, le pavillon qui accueille des jeunes adolescents de 15 à 19 ans. Ma mission concerne le quotidien, de les accompagner, de les faire gagner en autonomie et également de les aider dans leurs projets de formation, d'orientation. C'est un groupe avec qui j'aime bien travailler parce qu'on peut échanger, ils sont plein de projets, plein de vies, ils ont envie de plein de choses et on a envie de les aider à concrétiser tous ces projets. L'épilepsie, c'est le quotidien de nos jeunes, certains plus particulièrement que d'autres sont gênés par la maladie. Après, on est là pour les accompagner, on est là pour les écouter, on est là pour essayer de leur faire garder le moral parce que pour certains, ça peut être un petit peu compliqué. Alors quand un jeune fait une crise, on est là pour le rassurer, on est là pour le sécuriser, on prévient l'infirmerie si jamais il y a un souci. Mais les jeunes sont très solidaires aussi entre eux et n'hésitent pas à prendre soin des autres et à venir nous prévenir en cas de problème. C'est ma deuxième vie professionnelle. Je suis arrivée à Toularouat il y a maintenant 6 ans en stage. Et depuis j'y suis et personnellement je m'éclate dans mon boulot. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements, le site internet, Facebook, par téléphone et puis le 17 mars, venez nous voir, porte ouverte. J'y serai et je vous invite à venir prendre le thé avec moi sur le pavillon WIDIC.